ça a l'air bon, hein? Vous voulez ma recette du bubble tea crème brûlée? Alors restez jusqu'au bout pour connaître tous mes secrets. L'ingrédient principal de cette boisson taïwanaise sont les billes faites à base de farine de tapioca et de sucre brun. Vous les trouvez en boutique asiatique ou en ligne. Pour deux bubble tea, il vous faut 100 g de billes. Ne les rincez surtout pas. Faites bouillir 100 cl d'eau et versez l'eau dans la casserole. Ajoutez les billes. Ce n'est pas mon plomb qui est flou, c'est l'eau qui est trouble. Quand les billes sont toutes remontées, baissez le feu au maximum et laissez cuire tranquillement pendant 30 minutes. Pendant ce temps-là, faites infuser un sachet de thé noir dans 45 cl d'eau chaude. Au bout de 30 minutes, éteignez le feu et laissez reposer vos billes dans leur eau pendant encore 30 minutes. 30 minutes après, rincez les billes à l'eau froide et détachez celles qui se sont collées aux autres. Dans une casserole, versez 20 g de sucre brun de canne avec 2 cuillères à soupe d'eau et faites un caramel. Quand les grosses bulles apparaissent, versez vos billes de tapioca. Remuez. Et éteignez le feu. Laissez reposer quelques minutes pour que le caramel refroidisse un peu. Versez dans le thé 45 cl de crème anglaise. C'est ce qui se rapproche le plus de la crème brûlée. Mélangez. Passons au montage du bubble tea. Mettez vos billes de tapioca au fond du verre. Tournez le verre pour avoir du caramel partout. Déposez une dizaine de glaçons. Votre mélange thé crème anglaise. Et on est gourmand, alors on ajoute de la chantilly. Et du caramel. Ça y est, c'est prêt. C'est une petite bombe calorique et sucrée, mais c'est délicieux.
Tous les ingrédients sont à retrouver en barre de description. Et si vous avez aimé la vidéo, likez-la, partagez-la, abonnez-vous et je vous dis à très vite.